Kate Middleton n'a pu cacher son émotion. La princesse de Galles est apparue en larmes à Wimbledon. Kate Middleton n'a pu cacher son émotion lors de la finale dames à Wimbledon. La princesse de Galles a versé de chaudes larmes. Voici la raison, c'est une image étonnante. Présente lors des deux finales de Wimbledon, Kate Middleton a remis les trophées aux grands gagnants. Mais voilà que lors de la finale dames, la princesse de Galles a été largement submergée par l'émotion. Elle a fini littéralement en larmes devant Ounes Jabeur, la joueuse tunisienne de 28 ans qui venait tout juste de perdre sa finale, pour la seconde année consécutive. Face à la tchèque Markéta Vondroušová, la joueuse a indiqué avoir connu le pire jour de sa vie, et n'a pas pu retenir ses larmes. Alors quand Kate Middleton lui a remis son trophée, les larmes ont coulé sur son visage. Elle m'a demandé si elle pouvait me prendre dans ses bras. Je lui ai répondu qu'avec moi, les câlins étaient toujours les bienvenus. Elle m'a encouragée à rester forte, à revenir et à remporter un grand chelem, à gagner Wimbledon, a révélé la joueuse. Bouleversée, Kate Middleton est ainsi apparue le visage rempli de larmes. Une scène assez étonnante pour la princesse de Galles, qui parvient toujours à garder ses émotions en elle. Si elle a été très émue lors de la finale dames, l'épouse du prince William a commis un impair le lendemain, lors de la finale hommes. En effet, alors qu'elle s'avançait pour serrer la main au ramasseur de balles, la femme du prince William est passée devant l'un d'entre eux sans le saluer. Un malheureux faux pas qui a été transmis en direct sur la BBC. Kate Middleton snobibie un ramasseur de balles devant cette scène, certains ont crié au scandale. Mais n'aurait-elle pas manqué le premier ramasseur de balles? Que pensez-vous qu'il ressent à ce sujet? Kate Middleton a totalement manqué le premier ramasseur de balles et a serré la main de tous les autres alors qu'elle sortait pour la présentation, pauvre garçon. Peut-on lire sur Twitter? Un geste malheureux pour la princesse de Galles qui tente de toujours faire attention à bien faire les choses.